Et nous sommes de retour pour plus de Nioh 2. Donc la dernière fois j'ai un peu augmenté. Faudrait que j'augmente aussi peut-être l'épée. Enfin l'épée je l'utilise pas vraiment. Elle est là juste pour la grâce honnêtement. Pareil pour les canons et les armes à distance. Donc on va faire niveau 31 jusqu'à 40 cette fois-ci. Donc j'ai augmenté un peu l'équipement de niveau. Donc on a du 50, genre la cuirasse et tout ça. On a l'arme qui est au niveau 48 aussi. Et j'ai changé aussi un effet. Avant on avait dégâts de ki plus 1% quand l'arme était éveillée. Je pense pas que ça soit extrêmement utile. Donc à la place j'avais encore des... Il m'en reste encore un de noyau comme ça. C'est capacité yokai super efficace sur toutes. Donc restaure une portion de l'anima dépensée lorsque vous utilisez une capacité yokai. Donc vu qu'on les utilise beaucoup... je pense que ça va vraiment nous aider pour la spammer. Donc c'est pas beaucoup, ça va monter peut-être à 4%, un truc comme ça. Voilà, si au lieu d'utiliser 10, si on utilise 9 barres, c'est top, quoi. Donc voilà. 31. C'est parti. Donc voilà, c'est toujours mieux je pense que le 1% de ki, honnêtement. Et j'ai pas enlevé la connexion automatique, donc bon, pas grave. Alors... Ok, on est à 10. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un taux de butin de niveau élevé? Moins de taux de butin d'équipement avec un objet de niveau supérieur à celui que vous recevez normalement. On va faire ça. Ah, c'est 20 à chaque fois. Oh la vache, beaucoup. Allez, c'est parti. Voilà. C'est parti. Donc 31 jusqu'à 40 cette fois. On va un peu zapper. Hein. Oh mon dieu, les dégâts, quoi. Tu vas te calmer un peu. Calme-toi, reste à terre. Très bien. Allez, on va le faire. C'est ça? Ouais, c'est ça. Cool. On va y aller de Mijima. Ah, va falloir tout monter. Pour accéder au Kodama. On était à 16, on est descendu à 11. 16 et on est descendu à 11. Ça coûte 7. Waouh, ok. Et là, on a utilisé à peu près 6. Ouais, non, c'est bien. Non, c'est top. Bonjour. Non, c'est très bien cette habilité. On va prendre le chat. Bah, je sais pas pourquoi on a fait le tour. On va prendre le Kodama.
Il a brûlé avant qu'on puisse le faire le dernier coup. Alors... Il était où? Il était là. Hop là. Est-ce qu'on peut directement... Oh la vache. Je crois que c'était une erreur. Ah oh merde. Ok, on a fait de la merde. Oh waouh, il m'a marché dessus. Ok, alors là j'avoue que j'aime très très mal jouer. Ouh la vache. Ah ça réveille. Ah ça... Ça réveille, tu vois. Très très mal joué. Du coup on a eu le buff. Ouais, j'aurais pas dû tomber. Ah, j'étais pas prêt. Enfin c'est con ce que j'ai fait. Attends, on va se... repartir. On va zapper, on va tout zapper. D'accord, ça marche pas. Ça marche pas pour de vrai ou pas? Ou c'est parce que j'ai touché le squelette sans faire exprès? Ah mon dieu, ouais non. Bon, on va te tuer, monsieur le Tengu, si tu fais chier comme ça. Très bien. Le truc embêtant quand vous changez des effets ou même d'équipement et tout ça, même si vous mettez des trucs plus puissants et que ça se passe un peu différemment ou des fois mal, vous dites « Ah ouais, c'est complètement parce que j'ai changé un effet. » Là, je viens juste de changer un effet sur mon arme, ça y est, ça a tout foutu en l'air, c'est pour ça que je meurs. C'est extrêmement chiant, en fait, de penser comme ça automatiquement. Restaurer les PV... Ah oui, c'est vrai que ça fait ça. Ouais, je me demande si ça c'est utile. Confère immersion statue effet que vous ciblez. Je me demande si c'est vraiment très utile maintenant ou pas. Je sais pas. Faudrait que je... Comme j'avais dit, j'essayerai de faire un test. Genre 5 niveaux, 10 niveaux avec ça. Voir si ça se déclenche pour tel ou tel buff. Chiant quand même. Je suis en train de me dire, elle peut pas se mettre sur les murs. Parce qu'elle est en train de... Oh mon dieu. Parce qu'elle est en train de spammer cette attaque en fait. Je crois qu'elle peut pas se mettre sur les murs l'araignée. Si on n'est pas dans l'arène. J'ai complètement rien dit, j'avais pas vu l'étoile. Mon dieu, on vient de te faire un 8000. Merde. Allez, ramène-toi. J'ai rien dit, j'avais pas vu l'étoile d'araignée.
Après aussi notre stuff est a plus la familiarité hein, vu que j'ai fusionné. Donc il y a aussi ça qui fait. Ouais, 32. Un truc qu'on peut faire, c'est de la poudre. Pour augmenter la familiarité là rapidement, c'est ça. Voilà. Je sais pas si ça marche que pour les armes ou pas. La prochaine fois peut-être mec. La prochaine fois. Waouh, regarde-moi ça. On l'a bloqué sur place. Oh, on n'avait pas mis le parchemin. Ah, y a pas de Kodama ici, c'est juste pour le coffre, ok. Ça marche. Y a pas de problème, tu peux faire ça, ça marche. C'est une zone ou c'est un ennemi? Ouais, c'est un ennemi. Ah ouais. Non, non! C'est bon, oh, vache. Mis un peu de temps avant de déclencher parce qu'il l'a touché deux fois, elle est tombée par terre. Ah, très bien. Ça va, on a l'arme à fond. C'est combien l'heure de 4.1. Ça va. Donc on a moins 4% à chaque fois qu'on fait une attaque, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Oh yes! Yes, yes, yes. Oh, ça en garde. Ça va bien. Mae et Macho. C'est parti. Oh, oh mon dieu. On va lutter. On a bien fait de... Oh, c'est parfait. Oh mon dieu, parfait. On a bien fait de consommer moins d'anima, c'est pratique pour des gens comme lui là. Senmei? Ouais, tu veux faire quelque chose parce que... Mets du soin Senmei, mets du soin sur toute la map honnêtement. Ça me... Honnêtement, je préfère ça. Si t'as du mal à le debuff. Très bien.
tap, tap, tap. Je ne laisse pas reprendre son ki. Très bien. C'est un peu trop tard, mais c'est pas grave. Très bien. Attends, encore un peu. Voilà, très bien. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Pourquoi j'ai plus de vie comme ça? Il nous a touché deux fois. Ok, très bien. Oh, il faisait un peu peur. Il était moins farouche que la toute première fois parce qu'on a, on a vraiment bien, bien joué le brise de Brisky en fait. Et on l'a maintenu vraiment bas à chaque fois. Sur la fin, j'ai eu un peu peur. Voilà. Mais ça va. Ça va, ça va. Quoi ? What? Ah, ok. Ça marche. Oh, waouh, il a tout esquivé. Là, tu me touches, quoi. Mon dieu, on a mal. Et j'ai pas ma... C'est pas ça que je veux faire, ça. Maintenant, ce qu'il nous faudrait à ce niveau de difficulté, je pense, ça serait vraiment un accessoire qui nous permet de ralentir les ennemis qu'on les touche avec la magie Omnio. Je pense que c'est vraiment ce qu'il nous faut maintenant. Et rien d'autre, j'ai envie de dire. Genre, pas besoin de trucs plus puissants, d'armes plus puissantes, d'équipements plus puissants. Je crois que c'est juste ça qu'il nous faudrait, honnêtement. Merde. Oh mon dieu. Ouais, pour moi, je crois que c'est vraiment ça. Ça nous rajouterait une certaine protection en fait contre tout ce qu'on combat et ça serait vraiment vraiment très puissant. Oh là là. J'arrive pas à trouver de Kodama, c'est trop bien. Non,
Là-bas. Ah, très bien. Là. Non. Ah putain. Ah qu'est-ce que c'est relou ici. Qu'est-ce qu'on. Je sais pas exactement où sont les Kodama et les portes qui sont des fois normalement ouvertes, elles sont fermées et tout ça. C'est la première fois je crois que je fais ce niveau. Enfin que je fais ce niveau en mode ombre. Outre monde, pardon. Là peut-être. On met vraiment trop de temps pour avancer. Ouais, c'est là. Oh mon dieu. Genre là, rien que pour des combats comme ça, si on pouvait tout simplement ralentir tout le monde qui nous touche, qui s'approche un peu trop de près, ça serait vraiment bien. Ça serait extrêmement puissant en fait. Rien que de pouvoir ralentir tout le monde qui nous approche. Ça c'est quoi? C'est le blanc? Non, c'est un vert ça. Ça c'est l'attaque ça. J'en sais rien, ils ont des couleurs bizarres. Là il y avait peut-être des effets un peu bizarres. C'est bien, on garde le... attaque élémentaire. On garde le buff d'eau. De la source. La source chaude. Maintenant on a deux régènes. Peut-être s'immuniser contre les éléments. Hop là, très très beau combo. Très très beau combo. Bon bah voilà, ça passe bien. Je pense que le buff d'attaque c'est possiblement le plus intéressant. Intéressant pour nous, vu la façon dont on combat, je dirais. On n'a pas eu de noyau, mais...
pourquoi pas aller en dessous. C'est quoi ça? C'est juste un esprit? Juste un revenant? D'accord. C'est pas ça que je vais faire. Je voulais tout simplement bloquer en fait. Mais elle a pas voulu. C'est pas grave. Ça fait mal, hein, par contre, hein. Ça fait méga mal. Ouais, y a des esprits, des revenants comme ça. C'est des mages omnio en plus, c'est marrant. On dirait moi quand... Puis ils ont exactement le même équipement, je crois que j'avais le même glaive. Quand Nioh 2 était sorti, genre avant les DLC. C'est marrant. Très bien. Bonjour. Waouh. Il y a une boule qui est censée descendre parce que là il y a les. Il y a les murs. Oui! Tout va bien. Une boule qui n'a pas détruit. D'accord, ok, ça marche. On peut détruire ou pas du coup? Elles sont où les bombes? Non, on peut pas, ok, ça marche cool. C'est fait one shot par une boule. On s'est fait one shot par une boule. Il s'est caché le Kodama. Très bien. Et on y va. T'es qui toi? Je sais pas honnêtement. Ok, t'es le Regen. Tu es le Regen. Ouais, Regen c'est le moins intéressant. Pour nous, hein, je parle. Pour nous, c'est le moins intéressant. Parce que Regen, on Regen tout le temps. Celui-là, on va le garder. Pour des raisons. Pas vraiment connu encore, mais on va le garder. Ah, lui il peut contrer, je crois, avec sa lance. Et il a un tracking de ouf quand il tourne en l'air, c'est débile. Honnêtement, c'est un peu débile. Très bien. C'est bon, tu es mort maintenant.
Ah putain. Con, hein, tu peux pas vraiment reprendre ton ki comme ça. C'est embêtant, hein. C'est vraiment embêtant. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? S'amuser bien? Avec des gros coups de hache. On a quel palier? Je crois qu'on a un peu de retard sur l'habitude. On est à 35 à peine. On a encore 5 paliers à faire en 30 minutes. J'essaye de faire des petites vidéos d'une heure, mais. Enfin des petites vidéos. Même une heure, c'est grand. Ça prend quand même beaucoup de temps hein, de passer les paliers. Je le répète encore, mais je pensais vraiment pas que ça allait prendre autant de temps. Ah, tombe pas. Je sais pas où on va. Ah! Y a un Kodama là? Non. Merde. Et là le rocher. Non. J'ai tenté. J'ai tenté. Je me suis dit peut-être ça passe. Peut-être ça passe. J'ai remarqué que mon dernier enchaînement il fait pas aussi mal qu'il devrait. Je pense que c'est parce que la personnalisation est mauvaise. Ah putain, non, t'es sérieux? Je pense que la personnalisation est mauvaise. Faudrait peut-être l'enlever. Genre ça. Confère un boost de dégâts basé sur votre endurance. Non, c'est pas ça, c'est ça. Augmente les dégâts normaux et les ki infligés par certaines compétences actives. Les effets élémentaires s'ils sont perdus. Donc on fait plus d'effets élémentaires, mais j'ai l'impression que ça enlève aussi le fait de taper plus fort quand c'est corrompu. Donc je sais pas, quand ils pourront être restaurés par une impulsion de ki de 30% de compétences actives. Peut-être pas mal ça. Récupère plus de ki en fait, c'est ça? Je vois pas trop, je vois honnêtement pas la différence mais... augmente la quantité de maximum de ki pouvant être restaurée par une impulsion de ki de 30% pour certaines compétences actives. Ouais. Bon, et si on passait ce niveau? Et on prenait un autre chemin. Il y a un Kodama là. Non, c'est un Sudama. Là-haut, il y a un Kodama. Ah.
Très bien. Ok, fais le... Putain, elle m'a fait peur, cette conne. Oh. Ah. Il va défoncer les cornes avant qu'il... Ah, on va le tuer. Très bien. Ah, parfait. Les matériaux aussi, il paraît qu'on en récupère pas mal. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait attention. Mais des matériaux, il y avait un Kodama là-bas. Matériaux pour crafter, au forgeron, tout ça, pour forger. Ça a l'air d'être potable. À un certain niveau. À un certain niveau. Donc même ça, on devrait plus avoir trop de problèmes pour crafter des choses. C'est bien. Enfin, je sais pas comme si on en avait, eu, mais c'est pour dire. Ah mon dieu, reste là. Remettre le ki. Ouh, 12 000. J'ai l'impression qu'on a un peu plus de facilité à spammer. Encore plus maintenant. Spammer Gozuki et tout ça, j'ai l'impression que ça sort plus facilement. Je crois. Faudrait que j'aille au dojo pour aller voir ça. 36. Pas vraiment de changement, honnêtement, de difficulté. À la limite, peut-être que... Pff, on prend plus cher en dégâts. Mais honnêtement, j'ai joué avec la pierre de pénitence qui était au niveau 9. Donc on n'est vraiment pas encore à ce niveau d'absurdité en fait, en tant que dégâts, honnêtement. On n'est vraiment pas encore là. Ah, par contre, on va devoir tuer lui, parce que s'il me chope avec sa bombe... Ok, on est mort. Cool. Un peu embêtant, hein, de bloquer, de contrer cette explosion.
pendant un combat quand il y a plusieurs ennemis. Je vois pas d'endroit où il y a des Kodama en fait. À droite. Oh mon dieu. Ouais, je pense que ça, j'avais complètement réduit les dégâts. Car j'avais enlevé la corruption en fait. Ah, très bien. Bonjour. Merde, j'ai plus de feu. C'est pas grave. T'es embêtant, toi. Découpeur de démons, texte ancien. Intéressant. Découpeur de démons? C'est un vieux truc ça, non? Je sais pas. Faut qu'on ira voir la forge quand on finira. On ira voir vite fait la forge. Ça serait bien que ce buff reste plus longtemps, ce buff de lâche. Oh merde. Ok, c'est bon. J'aime bien ce que les boss qui utilisent les armes, si je dis pas de bêtises, ils ont aussi les nouvelles attaques qu'ils ont rajoutées pour le troisième DLC. Je crois. Je les connais pas toutes par cœur, donc bon. Mais je crois. Putain, je peux pas avoir une forme comme ça, moi. Yes. Merde. Ah non, on risque rien, on risque rien. Ah, j'aurais dû aller le taper. Ok Shiro, c'est bon là. Le combat il est fini. Ouais merci. Oh la vache. Le mec il refuse quoi. Tu veux pas t'avouer vaincu Toki Shiro. Taki Shiro. Taki ou Toki? Je me rappelle plus. Bon, ça va, on avance. On avance bien. J'aime bien, j'aime bien. Hmm.
Ok, on a rien en fait. Ok, cool. On est dans le château. Ah, on est dans le château. On arrive. What? Ok, j'arrive. Très bien. On est 37. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Je sais plus ce qu'il nous faudrait. Je réfléchissais à un truc. Je sais plus. Très très bien. Je sais pas par où on passe. Où les Kodama, t'es sérieux? Je suis en train de sortir du... Ok, on va faire celui-là. Très bien. T'es tombé. C'est pas de ma faute si t'es con. On avance. J'ai pas le temps, moi. Pas de ma faute s'il est con. Ok, très bien. Shibata. Shibata. Après on ira boire un coup. Ah oui, ce que je voulais faire c'est récupérer des salles. Ah, nuée, on va boire. Qu'est-ce qui m'arrive avec mon kill? J'arrive pas à le récupérer. Fais pas de roue, reste là. Salopé. Très bien. Merci beaucoup Shibata. Ouh, on a eu beaucoup de lapis lazuli là je crois. Sur ce combat. Pas mal, pas mal. Moi je rajouterais aussi à Nioh 2 un système de vague. Genre de survie. Ce serait marrant. Faire ça à plusieurs. Non? Moi je trouve que oui. Avec plusieurs vagues d'ennemis, de boss et tout ça.
Et on doit rester le plus longtemps possible. Et puis entre eux, plus on fait un bon score, et plus on peut acheter des objets et tout ça. Moi j'aime bien le système de vague de survie comme ça, honnêtement. C'est tout con, c'est vraiment tout con. Mais je kiffe. Je sais que c'est un peu comme les Tower Defense, c'est vieux comme le monde, mais il y a plein de gens qui adorent, quoi. On peut directement descendre, je crois. Yes, Kiki. Non, mon Dieu. C'est bon. Touche pas avec ta lance à la con. Tu fais trop mal. Y a rien d'autre. Espérons que ça soit un bon esprit de Kinky. Bon noyau. Comme j'ai dit, si jamais on trouve un bon noyau Kinky, je le mets à la place de Gozuki. Ça va vraiment être cool. Mais on n'a jamais un bon attaque bonus de Nima avec la magie au milieu. C'est pas intéressant. Il nous faut les dégâts. Il faut absolument les dégâts en plus, que lui il est là pour vraiment taper fort. Hidenoji. C'est comme ça qu'il nous appelle, Tokushiro. Let's go. Oda. Voilà. Bon 12 000 dans ta face. Merde. Ah oui, lui il a juste un grab comme ça automatique. C'est marrant. Piquer mon kill. Très bien. Parfait. Allez, je pars, regarde le niveau 38, 39. 39 et c'est... Ça tue... On se baignait d'abord. Peut-être que ça augmente les chances, je sais pas. Ah, ça tue. Munitions. Ah, ça donne même des munitions explosives, j'avais pas vu. Très bien. Du coup, ça c'est 39, donc on fait encore un niveau. Après celui-là. Très bien. Je regarde un peu ce que ça donne, les objets. Ouais, c'est vraiment des... Ça donne aussi des objets rares, quoi. Enfin, on va dire, des genre des munitions et tout ça. Des munitions de craft. Des objets de craft. C'est pas mal.
Il nous faudrait aussi un parchemin, il faudrait que je peut-être que je remette, genre augmente le taux de drop des objets éthérés. Mais je pense pas que ça soit vraiment nécessaire honnêtement. Parce que sinon on va perdre le boost de d'attaque. On va complètement perdre le boost d'attaque quand les ennemis sont à court de ki, parce que je l'ai pas autrement à part le parchemin. Donc ça va nous poser un gros problème pour les dégâts. Donc ça c'est 39, ok. Du coup j'ai oublié, je fais jusqu'à 39 et j'arrête ou je fais le 40 et j'arrête? Je fais le 40 et j'arrête. Oh, tu vas t'arrêter? Non, pas ça. On va faire l'esprit. À ce niveau, c'est possible que ça soit... C'est fort possible que ça soit un parchemin Nio. Ow. Ok, d'accord, super. Parfait. Ouh. Toi. J'ai oublié son nom, donc... chaque fois c'est Yoritsune Yoshi. Non, Yoshitsune c'est là. Yorimitsu. Voilà, il y a Yori à chaque fois, mais j'ai plus le reste en fait. Ça serait bien qu'elle invoque des yokai et tout ça. Tiens, c'est marrant, on va combattre Benke qui est un yokai gentil. Et elle est... À la base, les yokai gentils, elle connaît pas vraiment quoi. Et les yokai aux yeux bleus, c'est pas trop son truc quoi en fait. Oh, tu vas te calmer. Ouh, elle lui a mis... Ouais, ça va. Elle lui a mis des dégâts. Merci beaucoup, Yoritsume. Yorimitsu. Oh mon dieu. Attends. Ça c'était le 39. Ok, maintenant on fait le 40. Comme d'habitude, après le 40, on va regarder un peu ce qu'on a récolté.
Ça aussi, son attaque à lui, elle est pas si mal. Mais elle consomme beaucoup. J'en avais parlé, parce qu'elle est bien dans un sens. Ça fait une onde de choc et tout ça. C'est plutôt cool pour repousser les ennemis et tout, machin. Ça fait pas mal de dégâts de ki aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais... Et ça consomme énormément d'anima pour ce que c'est. Donc complètement gâché par rapport à ça. Là-bas? Non, là-bas il y a pas. Je me rappelle. Yes, Kinky. On peut pas donner son. Tiens, il y a un NPC là. Gozuki la misère. Quoi? Ah merde, mais c'est un. Je suis con, c'est un méchant. J'ai cru que c'était un... Je sais pas pourquoi, j'étais 100% sûr que c'était un gentil. C'était une tombe bleue, mais alors que non, c'est pas... c'était complètement rouge. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Je pensais qu'il allait être allié. Un super régène. Après on sort et on regarde l'équipement vite fait. C'est bête, Kinky nous a pas donné de noyau. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Waouh. Qu'est-ce que tu fais à taper tout le temps avec ta queue? Qu'est-ce qui t'arrive? Lui, je l'avais eu qui était complètement, on va dire, buggé quand je l'avais fait en coop, en expédition. C'était un parchemin de sage avant que le troisième DLC... Oh mon dieu, la vie qui m'enlevait. Avant que le... Mon dieu, putain, mais arrête de faire aussi mal. Avant que le troisième DLC sorte. Et vous voyez l'attaque là de plonger là. Quand il va à l'autre bout de la salle. Il faisait que ça, il spammait que ça. C'était très très bizarre. Mais je crois qu'il y avait un problème un peu de connexion parce qu'il y avait un peu de lag avec les gens. Et je crois que le boss en fait nous voyait, on va dire, très loin de lui ou séparés, très séparés. Et du coup il faisait que des rushs comme ça de loin. C'était épouvantable de le combattre. C'était épouvantable. Il passait d'un côté à l'autre de la salle, c'était abusé. Il faisait que ça, que, absolument que ça. Mais je pense que c'était un problème de connexion plutôt. Le boss avait sûrement du mal à vraiment savoir où on était tous les trois. À chaque fois qu'il se concentrait sur une personne, donc il pensait qu'on était loin et ça trigger son attaque en fait. Donc on a fait le niveau 40, pardon. Alors, fais voir un peu. Alors. Katana de Horde démoniaque. Hein, est-ce que. Non, pas, ok. Dragonborn 2, non. Pas Dragonborn 2. C'est parce qu'il y a le plus. Maintenant, je dis 2. Alors.
Diadé, le mystique de lance, munitions illimitées, dégâts des stocks. Ah, des bons bonus. Je sais pas si cette hache a vaut le coup. Dégâts attaque moyenne, genre on aurait des bonus d'attaque moyenne. Enfin bref, c'est pas grave. L'âge de Benke. L'âge de Benke est bien, je l'utilisais moi quand le deuxième DLC est sorti. Je la trouvais très bien. Et après j'ai voulu changer et puis voilà, j'ai pris celle de... Ah, il me faut des bons points par contre. Ce que je voudrais bien changer pour les points. Parade, point, coup de... Ok, on va prendre... On va garder ça, ou alors ça. Peut-être des points corrompus, ça me va... Ah oui, non, mais les deux sont corrompus, en fait. Ok, on va garder ça. Parce que je voudrais vraiment pouvoir augmenter autre chose que la hache. Et j'avais envie de points, mais il me faut des bons points, du coup, avec la bonne grâce et tout ça. Bon, là, il n'y a pas la bonne grâce, donc je sais pas si vraiment je vais les utiliser. Mais bon, c'est là, quoi. On n'a rien d'intéressant. Augmente l'attaque au cours de ki. Réduction des ki d'attaque forte. C'est vrai que ça serait pas mal pour nous. Il nous faudrait un casque comme ça, avec le bonus d'augmentation. D'attaque, comme ça on n'a plus besoin du parchemin. Mouvement rapide. Ça aussi, mouvement rapide. Là c'est quoi? Frappe Omnio, ninjutsu. Mouvement rapide avec frappe Omnio si ça existe. Alors, peut-être que ça n'existe pas parce que ninjutsu c'est la rapidité, c'est ninja et tout machin. Peut-être que ça n'existe pas avec Omnio. Droit et fidèle. Dévoué plus. Ah oui, c'est le bâton. Transmission de grâce. Il n'y a strictement rien d'intéressant. On pourra peut-être augmenter notre équipement à plus de 50. J'ai vu un peu les niveaux, mais sinon, il n'y a strictement rien d'intéressant. Austérité au mieux plus ça. Dégâts de ki et compétences et poids d'équipement. Ah! On a des cuirasses. Alors fais voir un peu. Fais-moi plaisir. Donne-moi un bon truc. Dégâts de compétences, dégâts de ki de mêlée, le poids, dégâts de compétences, charge de conscience. Il n'y a rien, strictement rien qu'on peut utiliser. Nous, il nous faudrait réduction de dégâts maintenant vu que je sais que ça existe. Attaque de mêlée en critique. Ouh, augmente l'attaque en critique. Ouais, bof. On reste pas vrai. Oh! Ah non, c'est ninjutsu. On reste pas vraiment en mode critique. Bon, après, par contre... Non, mais on n'a pas les bonnes grâces. Mais il n'y a pas vraiment un truc intéressant. Nous, on a annulation de la malédiction prolongée, là, ce qui est bien, ce qui est utile quand même. Alors, dégâts de mêlée, là, en plus. On aurait dégâts de mêlée en plus. Là, on a attaque mêlée en critique, pas vraiment intéressant. Puissance magie au milieu, pas intéressant. Mouvement, on ne tape pas avec les ninjutsu. On utilise juste des parchemins pour se buffer. Dégâts subis. Et on perdrait l'auto-restauration qu'on a le ki épuisé. Ah. Ah. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Qu'on le mette à la place de ce qu'on a. Attaque de mêlée critique encore. Dégâts réduction qualifiée, dégâts de compétence. Attaque de mêlée en critique encore une fois. Et là on a quoi? Nous on a... Alors, qui en esquive? C'est bof. Dégâts de compétence, c'est bien. Ouais.
Anima, ça serait bien. Je voudrais bien ça aussi. Les fenêtres de contre-réussite étendues, des trucs comme ça pourrait être utile. T'as dégâts subis, dégâts de mêlée indemne. Mais c'est super cet équipement là. Bon, on va pas le garder parce que c'est pas intéressant pour nous, mais il y a des bonnes choses dessus. Alors, les casques. Dis-moi qu'on a un meilleur casque. Alors, on a dégâts de mêlée et ki. Ouais. Ouais. Ah. Compétence d'esprit protecteur, on l'utilise pas. Dégâts de mêlée, encore une fois, la cloche d'appel. Ça aussi, on l'utilise pas vraiment. Et si c'est pour avoir 5%, c'est pas utile. Là, on aurait quoi? On gagnerait dégâts de mêlée et ki, alors que nous, on a recharge d'anima sur les attaques de mêlée. Donc ça, honnêtement, ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire, pour le moment. C'est la seule fois où j'ai vu ça. J'ai pas d'autres équipements avec. Ok, maintenant... Maintenant, il nous faudrait des bons accessoires. Ah! Ah! Dégâts subis des yokai. Et on a la réduction d'ensemble là. Donc ça fait comme un Magatama. On a la réduction de vitesse. Et c'est Magatsui. La grâce, donc pour nous c'est bien. Bon, par contre, on a deux fois Tsukiyomi, je crois. Ouais, là c'est le plus 22 Tsukiyomi, là c'est le plus 16 Tsukiyomi. Ok. Donc il faudrait changer ça sur un équipement, genre une armure. Alors là, on a Tsukiyomi. Ouh, c'est pas mal. Alors, on a Tsukiyomi avec diminution de vitesse et auto-restauration quand on absorbe l'Amrita. Alors l'auto-restauration quand on absorbe l'Amrita, c'est. À la limite, j'ai envie de dire que c'est pas extrêmement utile parce que nous on est toujours sous buff. Bien sûr, mais je me prolonge à ça. Ok. Bonus statut étendu. Ça c'est utile par contre pour nous. Mais bon, c'est pas. Le reste est un peu pourri. C'est ennemi corrompu. Ouais, bof. On a eu deux Magatama qui sont complètement nuls. Pourquoi on peut pas avoir un truc comme ça? Il y a 4 étoiles! Putain, c'est parfait! Sauf que c'est un truc inutile pour nous, mais c'est super! Regardez. Arme de jet, on s'en fout. Quoique. Restauration de ki, absorption de dégâts de mêlée, Tsukiyomi. Ça peut être pas mal. Ah! Dégâts objet de jutsu, pas utile. Dégâts de mêlée sur les ennemis à court de ki et vitesse. C'est frappe ninjutsu, évidemment. Et après, on a le découpeur de démons. Fais voir un peu. Je vais voir s'il y a moyen de faire quelque chose, de rajouter des choses intéressantes. Non, découpeur de démons. Ah oui, découpeur du lion et point du démon, d'accord, ok, ça marche. Ouais, il y a peut-être quelques parties à faire. Je vais essayer vraiment de, même si on perd peut-être un peu en dégâts, je vais essayer d'utiliser. Parce que là, en fait, honnêtement, depuis que j'ai mis les deux Magatama exprès, là, pour pouvoir en farmer plus, enfin, pour pouvoir en récolter plus, du coup, on peut en enlever un. Et on avait perdu un peu en dégâts parce qu'on avait moins de genre 20% de dégâts sur les ennemis à court de ki et tout ça. Donc je vais peut-être ajouter le fait de ralentir avec les objets omnio, comme ça on peut voir un peu la différence. Si vraiment ça devient easy, easy mode quoi. Donc ouais. Ok, moi je vais faire ça et nous on continuera la prochaine fois. Donc la prochaine fois ce sera niveau 41 à 50. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous, ciao ciao!